Maintenant seulement, nous allons à la Ligue. Parce que c'était un faux départ pour le précédent. C'était un faux départ parce qu'en fait, il y a eu plein de choses entre-temps. Allez. Je vous attendais, vous avez remporté le tournoi des médaillés. Vous allez maintenant prendre part au tournoi des champions. Auquel participent 7 champions de Galar. Ils seront sans pitié. Car le vainqueur... Ah, c'est 7 cette fois-ci. What? What? Ah ouais. Parce que c'était 4 à l'époque, c'était le conseil des 4. Attends, on se retape tous les... On se retape tous les membres. C'est ouf, hein. Pardon. Allez. Allez, vas-y, go. Ok. Oui, la cérémonie d'ouverture. Oui, je veux ma cérémonie d'ouverture. Allez, bon, vas-y, go. Allez. Cérémonie d'ouverture. La fin est proche. Bonjour à tous, c'est moi, Tarak, le maître. J'en peux plus de ce mec, j'en peux plus de ce mec. Vive qu'on le batte, hein. Le président de la ligue. Aujourd'hui, les combats Pokémon vont atteindre des nouveaux sommets. Très bien. Aujourd'hui, je veux le plus fort d'entre vous émerge pour m'affronter. J'en peux plus de ce gars. Sur ce, je déclare le tournoi des champions ouvert. Ok, ça marche. Ça marche. Un instant. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. C'est qui? Oh non! Pas encore lui! Je vais faire votre attention un instant. Mais non! Moi, Travis Tosser, qui était forcé de se retirer du... Hein, moi qui ai vu mes espoirs voler en éclats alors qu'une longue carrière m'attendait. C'est Travis, c'est le challenger recommandé par le président Chéroz en personne. Il se trouve que j'ai un compte à régler avec Edouard, j'ai bien conscience. Mais mec, mais à chaque fois, on t'explose la tronche. Qu'est-ce que tu viens de nous emmerder jusqu'à la fin? Mais c'est fou. Ah là là, qui aurait pu imaginer ça? Gna gna gna. Oh là là, le dernier combat du relou. Je sais bien que je repasse mes droits, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux rester sur une telle humiliation. Donc en fait, on t'humilie en 1v1 alors qu'il n'y a personne autour. Et tu veux que je t'humilie devant un public d'un stade entier. Il y a un moment, tu réfléchis ou pas? Mais enfin, t'as pas regardé les combats qu'il y avait eu avant? Ils étaient diffusés à la télé. Mais j'ai fait des combats avant à la télé, mon Pokémon au niveau 80. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec ton sablette niveau 12. Bon, je sais pas ce qu'il a comme Pokémon, on attend. Mais enfin... Ah, mais il est maso, je pense vraiment qu'il est maso celui-ci. J'ai enduré autant de choses pour lui éviter un peu plus m'échapper. Bah, à moins que t'es au niveau 50, enfin... Mais ça me fait presque de la peine. Genre vraiment. Je te jure, j'ai de la peine pour lui. Pourquoi j'ai mis le nombre 16? Parce que je suis né le 16 novembre. Bah donc j'ai mis le nombre 16. Et quel jour sommes-nous? Le 16 novembre. De toute façon, Pokémon sort toujours pour mon anniversaire en général. T'as mis le 16, Caro, aussi? Ça me fait plaisir, ça. Comme quoi, les meilleurs. Pourquoi t'as mis le 16 d'ailleurs? Pourquoi t'as mis le 16, Caro? Non, t'es pas né le 16? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Putain, je pensais que t'allais me dire, bah parce que t'es tué né le 16. Ça m'aurait fait plaisir. Ta date d'anniversaire, elle est dans mon calendrier de téléphone. Si je la connaissais pas, elle y serait pas. Hein? Alors? Et viens te battre dans les Pokémon. Tiens, regarde ton galopin de Galar. Allez, Bank Sonic. Coupe psycho. Ah d'accord, parce qu'il a carrément des rayons laser dans sa corne. Genre en mode normal. Genre en mode normal. Donc Galopin de Galar, c'est un Ponyta qui tire des rayons laser. Tout va bien, tout va bien.
Hein? Tout va bien. Oui, absolument. Tout va bien. Mais enfin... Sort silence. On dit Dynamax sera à la fin parce qu'il y a son dernier Pokémon à la fin. Attends, c'est son dernier ça? Sort silence? Attends. Bah sort silence. Allez. Vas-y Dynamax, le sort silence, on va voir ce que ça donne. Ah oui, ah, ça fait mal ça. Oui, aïe aïe. Ah, pas tant que ça, je pensais plus. Merci, ah, arrêtez de m'applaudir, arrêtez. Bah du coup il vient de se faire humilier devant un public, alors qu'il aurait pu rester sur sa vie, sa défaite tout seul. J'ai pu montrer... Mais le mec il déterre. Hein. Le mec lâche rien, hein. C'est bien, non c'est bien. Bien. Oh rage au désespoir. Ah tiens, je connais ça. Et derrière sa fidèle équipe ont triomphé du défi lancé vers le challenger Travis. Par moi, c'est un... En fait, tu viens de n'importe où et tu peux rentrer comme ça, comme dans un moulin dans le truc. Je suis décontenancé, j'avais tout prévu. Si je gagnais, j'obtenais ma revanche, tant attendu. Et si je perdais, eh bien ma foi, au moins j'étais débarrassé de l'autre vieille folle. Ah bah sympa. Maintenant, j'ai plus d'autre choix que celui de continuer à être champion type fait. Bah ouais. T'sais, il l'a appelé la vieille folle quand même. On précise ou pas? Oh, la musique est super bonne. Attends, me dis pas que ça m'a soigné mes Pokémon aussi. Putain, si. C'est chaud quand même. Y'a quoi là? Et ouais, du coup. D'accord. Bah, go, vas-y. En avant. C'est où, quelle heure il est? Bah il est 22h50. Quoi, 22h52? Ah oui quand même. On a plus qu'une heure 08 pour battre la ligue les gars. Va falloir qu'on se dépêche. Challenger Edouard. Et l'autre côté, le Tsunami la piste. Oui d'accord, on se retape tous les... On se retape tous les champions? The fuck. Ah oui d'accord, ils se sont pas fait chier à créer des dresseurs supplémentaires quoi. Ils se sont dit bon les gars, on prend tous les dresseurs qu'il a déjà battus, on leur met des Pokémon plus forts et il les rebat. Non, mais d'accord, très bien. Ok. Bon, en tout cas, il y a plus de... Il y a plus de dresseurs qu'avant. Allez. Par contre, c'est con. T'as un type eau, j'ai un type plante. C'est dommage. Ah oui, c'est Armorail. Ah oui. Se va être déçu de rien du tout. J'ai pas regardé son level. 51. Okay.
Ah, il utilise des replis en plus. D'accord. Bon, on est 30 niveaux au-dessus, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est un faux bâillement, c'est pour montrer. Bah, je vais réussir à vraiment bâiller en me faisant bâiller moi-même. Oh, je me fais bâiller moi-même. Bah, ça fait 8 heures qu'on est en stream sur le jeu là, quand même. On a filé. Mais bon. Non, on est sur un bon rythme, on est sur un bon rythme. Guérison en plus, allons-y. Ouais. Le repli tactique à chaque fois, quoi. Ok. Bah oui, mais bon, madame, enfin... Ah, par contre, ce qui me ferait chier, c'est qu'entre chaque dresseur, on retourne dans les vestiaires et qu'il nous soigne nos Pokémon. Parce que ça serait complètement pété. On rappelle que... Je sais pas comment, je sais plus comment c'était dans les ligues avant Pokémon Jaune et tout, parce que je me rappelle de Pokémon Jaune et tout, mais... On affrontait les 4 dresseurs et on se soignait pas entre les trucs. Tu vois, t'avais des potions, t'avais des massants, t'avais des trucs, mais tu te soignais pas ton équipe. Et, surtout, tu remettais pas les PP, les points de compétence, des trucs. Là, j'espère qu'il y a aucun repos, ça serait cool. On verra. Parce que là, on n'a rien prévu à l'avance en termes d'achat, de potions, de quoi que ce soit. Donc si jamais on se tape les 7 d'affilée, la ligue promet d'être hyper dure. Et ça serait un très bon point. On va voir. Et ouais, il fallait connaître les compos de tout le monde à l'époque, ouais. C'était génial à l'époque, ça. On va voir. Ah oui, Targamorn. Les musiques, elles sont vraiment très 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 bonnes. Il y a juste rien à dire. Ah, c'est même un remix de la musique qu'il y avait dans les autres stades. Allez monsieur. What the fuck? Allez, mange. Boum, le one shot. Ah là là. Oh yeah. Première championne battue. Ça c'est fait. Bon, du coup on a déjà 2 matchs sur cette ligue. Hein. Ok, c'est fait. Je m'incline, mon partenaire Dynamax n'a pas fait le coup face à mon Pokémon. Ok. Je compte sur toi pour atteindre le sommet à ma place. Deuxième round. Ah, oh, sympa la façon dont c'est. Ah, donc il n'y a pas... Attends, ça fait 1, 2, 3, 4... Ah non, c'est ça, c'est encore 4 combats. D'accord, c'est 4 combats. Et est-ce que c'est à chaque fois pareil ou pas? Parce que là, on va se battre contre Alistair.
Et après, Roy va se mettre contre Peterson et tout. Ah, c'est peut-être pas la même ligue à chaque fois. Attends, par contre. Oh! Oh, ça fait mal au cœur. Ils ont soigné tous les Pokémon. Hein. Oh, c'est peut-être pas. C'est peut-être pas la même ligue à chaque fois parce que du coup, on a peut-être pas les mêmes champions. C'est peut-être aléatoire, avec de la chance. Faudra qu'on refasse en post-game pour voir. Ah, c'est pas mal ça. Allez. Donc c'est bien 4 combats, hein. C'est pas plus qu'avant. Et vu qu'on est rendu à la ligue et qu'on va très certainement terminer le jeu ce soir, vous aurez le test complet demain pour ceux qui sont sur le chat et qui souhaitent des informations par rapport à savoir si vous avez déjà joué à Pokémon, est-ce que c'est intéressant, si vous n'y avez pas joué, est-ce que c'est intéressant, est-ce que la difficulté est bien, est-ce que la durée de vie est bien, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est moche. Vous aurez toutes les réponses dans le test complet qui sortira sur la chaîne évidemment. Je sais, si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, vous dites « Ah, oh, mais c'est hyper facile !» Parce que j'ai un peu cheaté mon personnage, mon Pokémon, mais voilà. Moi, c'est parce que j'ai farmé certaines choses spéciales dans le jeu que vous n'êtes pas obligé de farmer. C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte et on l'a utilisé. Voilà. Mais c'est totalement... C'est pas un hack, quoi que ce soit. Hein. C'est le jeu l'a permis, on l'a vu à un moment, on l'a utilisé. Voilà. Mais c'est pas genre un truc caché ou un truc à traficoter et tout, hein. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est un truc genre 100%, 100% qu'on voit tous dès le départ. Hashtag Candy. Je pense pas qu'ils aient enlevé la difficulté des précédentes ligues. Parce que concrètement, ils sont au niveau 52. Là, on serait au niveau 57-60. Donc, je pense que la ligue, elle est normale. C'est juste que nous, on a un personnage au niveau 80 et quelques. Donc, je pense pas qu'elle soit foncièrement moins dure. C'est l'entièreté du jeu, en fait, qui est plus facile. C'est plutôt ça. Tu vois, regarde. Il nous fait ça, notre personnage, il est dans la merde. Évidemment, dès qu'il y a les attaques de type. Ouais. Salut Etienne. Merci de ton follow. Voilà, bah, par exemple, là. Là, mon go rythmique, il est décédé. Donc là, on va voir ce que ça donne, justement, avec les autres. Alors je ne mets pas de notes sur les jeux vidéo personnellement puisque une note est 100% subjective et même si je reste 100% subjectif, mettre une note, je trouve que ça reflète pas suffisamment de choses. Parce que les gens s'arrêtent à la note sinon. Les gens s'arrêtent à la note. Il faut pas. Je vais garder mes rappels max et tout pour plus tard. Poltergeist, ok. Hashtag la théière. Bail d'acier. Ah oui. Et bah typique. Tu vois, regarde, alors par contre bah oui on utilise les attaques de genre aussi. Ah mais du coup ça va rien faire.
Allez. Royaume. Salut White Sonic, merci de ton follow. Bienvenue. Efficace. Vas-y. Boum. Oui. Ah oui, ah oui, ouais. Salut à X9 Pro Game, bienvenue. Merci de ton follow à toi aussi. Dynamax est derrière. Ok, niveau 59. Ah, c'est l'ectoplasma derrière. Vas-y, on change de Pokémon. On va prendre Montracide. Montracite. Vas-y, contre l'ectoplasma. Elle va le dynamaxer en plus son ectoplasma. Donc, on va lui faire le Flamomax. Ça sera très bien. Allez! C'est Pyromax d'ailleurs, pas Flamomax. Déploie ton ombre avec sa grande bouche. Allez. Bon bah écoute, on va faire ce qu'on peut avec lui, mais je pense que ça c'est plutôt bien parti. Très honnêtement. La 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 la. Tranquille. Allez, Pyromax. Ah, la moitié. Ok. Merci de ton follow, Lucas06. Ça c'est fait. Et ben voilà, deuxième champion battu. Merci pour vos jeux d'anniversaire, merci beaucoup. Alors, qui va-t-on battre? Eh bien, c'est Roy, encore une fois, avec ses dragons. Ok, ça marche. T'as intérêt à gagner, ok. Allez, c'est parti. Il
Le round final du tournoi des champions est sur le point de commencer. Lequel de finalistes aura l'insigne honneur d'affronter notre maître en titre Tarak l'invaincu? Est-ce qu'il s'agira de notre star montant challenger Edward? Ou s'agira-t-il de rival de Tiju de maître Tarak? C'est la bonne question. C'était insupportable cet accent. Eh bien, c'est la question que nous nous posons tous. La, 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 la. Allez. C'est parti. Round final avant la grande finale. Avant d'affronter le champion. Il ne reste plus que Roy. Allez, c'est parti. Ouf. Ouais, par contre, avec du feu en face. Allez, vas-y. On n'a pas trop le choix, faut se dépêcher. Hein. Parfait. Ah, punaise. T'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Oh, guérison en plus, sérieusement. Ah, bon, il a raison, hein, mais bon. Et ouais, bien sûr, il s'est endormi, évidemment. Vas-y. Oh là là, ça va faire mal, ça. Évidemment. Et ouais, dès que tu tapes du feu en face, évidemment, avec le Pokémon plante, c'est sûr. De toute façon, j'ai un rappel max au cas où. Allez, ça c'est rapide, c'est une attaque assez rapide ça. Normalement c'est bon. Un peu comme Vive Attaque, ça va vite. Ok. Boumata. Boumata, Boumata. Ah punaise, c'est vrai que c'est lui. Ouais, on va galérer parce que... Ouais. Bon. Notre Gorythmique va se faire défoncer au prochain tour. Ouais. Au revoir. Oh, il m'a raté. Sérieux? Salut, Lynn. Salut à toi. Oh, c'est bon, ça. Ah bah, ok. Très, très bien. Bon, on a de la chance sur ce coup-là, par contre. Hein. Oh, punaise, on a eu de la chance. De ouf. Eh bah moi ça me va. Ok. Vas-y. Allez. La brûlure plus ça. Vas-y, tranche herbe. Normalement, ça devrait le terminer. Ok. Excellent. Oh, on se prend double. Que je vais faire, c'est que on va aller jusqu'au bout avec lui et derrière on le fera un petit rappel à danse de la pluie. Ok. Ah, mais finalement peut-être que ça devrait aller. Ah, ça va changer. Il a changé le type. Attends, mais il y a de la pluie, il aurait pu me... Attends, ça devrait le faire du coup. Vas-y, go.
Oui, c'est surf quoi. C'est surf mais avec une couleur différente. Et donc surf derrière. Ils se sont pas fait chier sur certaines animations quand même. Hein. Ça fait déjà plusieurs fois que je remarque que c'est les mêmes animations avec une couleur différente. Merde, à chaque fois que j'utilise ça, il change son truc. Ça fait plusieurs fois que je le remarque. Hein. Ouais. Autant une fois, ça va. Autant deux fois, trois fois... ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est comme le coup des... C'est comme le coup des maisons. Les intérieurs qui sont les mêmes. Et ça, tu le vois pas du premier coup d'œil. Il faut jouer des heures et des heures pour le voir. Oui, mais ça fait longtemps qu'ils le font. Mais sauf que là, on est sur un nouveau Pokémon, nouvelle génération. Et ils nous avaient annoncé un Pokémon qui était censé être le truc qui surpasse de... Tu vois? De ouf tout! Et réutiliser des animations pour des choses différentes, c'est dommage. C'est dommage. C'est comme réutiliser les intérieurs de maison et le faire 7 fois, 8 fois, 9 fois. Tu vois? Ah non, c'est pas grave du tout. Il y a rien de grave. Grave, c'est un grand mot. Je dis, moi, c'est dommage. Mais il y a rien de... Heureusement que c'est pas grave. Ah non, on va pas s'insurger là-dessus non plus. Ah, c'est l'hôtel. Vas-y, il va le dynamaxer de toute façon. Ok, c'est l'hôtel en face. Allez, hôtel. Je dynamax pas lui, moi, perso. Salut, Pony. L'attaque tunnel, elle est ignoble, ouais. J'avoue. Oh là là, ça va faire mal, ça. Ah, ça nous tue même pas? Ben, punaise. Attends, si j'arrive à le battre sans utiliser de Gigamax, ça serait magnifique. Oh, allez, vas-y, on passe en Dynamax. Allez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, j'ai utilisé la mauvaise attaque. Punaise. Crotte. Fuck. Ah, je voulais pas dynamaxer lui en plus à la base, mais bon, je me suis dit bon, allez. Merci Skull. Oh, tellement la classe. Ah bah évidemment. Ok. Moi aussi je voulais faire ça. C'était pas du tout l'attaque que je voulais utiliser. Un tour et du coup c'est son dernier tour là, je vais peut-être en avoir un de plus que lui. Allez, super efficace. Allez, dégage-le. Boum! Allez, au revoir. Ça, c'est fait. Monte au niveau 57. Bah, je vais même pas être obligé de ressusciter mon... Tu vois. Bah, Poney, je viens de te répondre deux fois, en fait. Tu prends la mouche comme si je t'avais pas répondu, mais je t'ai déjà dit bonsoir à l'instant, et je t'ai dit que ça allait, et... T'as pas entendu en fait? C'est fou, c'est dingue. Salut Poulpi, merci de ton follow. Allez, on va affronter Tarak.
Numéro 7, Challenger Edouard, et maintenant l'heure de vérité approche. Edouard Roitier raison Tarak, le maître a vaincu qui l'a recommandé. Nous aurons la réponse très prochainement. Et ouais, moi-même contre Tarak. C'est lui, c'est enfin la grande finale. Ça va, tu seras pas trop. Non, ça va. Je me dis que par contre, il y a Dracaufeu et l'évolution finale de. Le truc, c'est que il a l'évolution finale de Flambino et le Dracaufeu. Et j'ai pas énormément de dos sur moi. Ça va être un poupie. Donc, nos Pokémon ont été soignés normalement. Bah ouais, bien sûr, évidemment. J'ai Krakos à la limite. Si avec Krakos ça devrait aller, mais il a, je crois qu'un Krakos il n'avait pas d'attaque d'attaque haut. Mais on avait une poche à CT qui est là. Voyons voir ce qu'on a. Tiens, il y a Cascade. Regarde, Cascade. Le lanceur charge ennemi à une vitesse remarquable, ce qui peut l'apeurer. On va la prendre. On va la prendre à Krakos. Yes. Parce qu'il n'avait pas d'attaque haut. Donc renverse. Attends. Contre. Ouais. Voilà. Ça c'est bon. On a une attaque haut avec lui. Parfait. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Siphon. Puissance 35. C'est naze. Un dragon. Ouais, il peut pas. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Aquabrèche. Oh, c'est bien ça. Ah, carrément. Ouais. Oui, il est combat et haut en fait, mais c'est un style combat de base. Aquabrèche, parfait. Il est combat, mais c'est un Pokémon d'eau. Mais c'est un style combat de base. Allez, c'est parti! Le combat contre le maître Tarak. Allez. Depuis le temps qu'il nous emmerde, celui-là. Salut. Attention sur le terrain qui contraste avec l'effervescence des gradins, j'adore ça. Mais n'oubliez pas ceci. Au-delà des clameurs, des applaudissements, le public n'attend que de voir la défaite de l'un d'entre nous. Cette pensée peut terrifier n'importe quel dresseur, mais pour donner le meilleur de soi-même et de son équipe, il faut vaincre cette peur. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses, mes Pokémon trépignent d'impatience. Je suis Tarak l'invaincu. Mais j'en peux plus de ce mec! Putain! Es-tu prêt à l'affronter l'unique maître. Mais. Oh! Oh! Je suis le maître, j'ai tout gagné, je suis machin, je suis truc, tu pourras pas me battre, mais ta gueule! Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien bonjour à vous, maîtresse sœur Tarak et Edouard. Bonjour. J'ai une annonce à vous faire pour sauver Galar, j'ai déclenché la lumine. Quoi? Pardon? Pardon? Mais malheureusement, l'énergie libérée par la lunaire ne peut être entièrement contenue. What the fuck? What? Ah, et toutes les arènes, elles sont en train d'exploser? Hey, hey, Fabrino.